Allez, de retour pour la deuxième partie de cette épreuve de Spa-Francorchamps avec comme inauguration de cet épisode l'arrêt au box de différentes voitures pour chaussée et des gomme-pluie, chose que l'on a faite dans la première partie de cette épreuve. On va donc avoir l'avantage des gommes chaudes. Il y a beaucoup de P1 qui ressortent devant nous, du trafic bien sûr. On est toujours derrière Steve Hou, 7e, Kay Payne est 8e derrière nous, ce qui veut dire que pour le classement, eh bien on est bien à notre affaire. Attention avec la l'une des Aston Martin qui nous avait un peu surpris dans le raidillon. On a donc chaussé des pneus pluie, c'est pas encore le cas de tout le monde devant. On peut encore en profiter pour gagner quelques dixièmes, quelques centièmes de seconde même sur un petit peu tout le monde. Les BMW sont toujours à la bagarre dans leur catégorie, on essaie de les doubler avec toujours autant de difficultés, vous le savez. Je vous invite à aller voir donc la première partie si vous ne l'avez pas vue, et là il pleut vraiment beaucoup plus intensément que tout à l'heure. Et c'est là où l'aéro, hop là, et la Toyota peuvent faire peut-être un peu la différence. Là, c'est clair que dans le deuxième secteur de circuit de Spa, c'est détrempé complètement. Et la preuve, c'est que j'arrive plus à tenir la voiture. Elle m'échappe un petit peu en entrée de virage. Regardez les écarts par rapport aux voitures devant nous. Ça fond évidemment rapidement. C'est vrai que s'ils sont encore en pneustique dans ces conditions, doivent être un petit peu arrêtés. Et donc Kay Payne est 10 secondes. Et derrière nous, on est 8 secondes derrière Steve Hou. Et la lueur de la piste ne trompe personne. Ça glisse à Spa. Retour encore pour d'autres catégories au box. Pas pour les P1 devant. Alors la bonne nouvelle, c'est que toutes les voitures des catégories inférieures qui sont actuellement dans la pit lane, on n'aura pas à les doubler en piste. Alors actuellement, on est avec l'intensité d'essuie-glace la plus importante. Et il faut bien ça pour tenir la voiture. Et c'est là que mon setup avec beaucoup d'aéro me fait du bien. Beaucoup d'appui, à la lame avant et 10 à l'aileron arrière. Steve Hou devant nous est bloqué par des retardataires. On va tenter de faire la jonction sans se mettre dedans, ce qui n'est pas toujours simple. Hein. Vous le voyez, pas mal de sous-virages. On ne peut pas réajuster la voiture plus précisément. Il y a deux Ford devant, deux voitures à la bagarre en GTE. On va aller chercher l'intérieur. On va passer avec 4 roues dans l'AstroTurf. Et on prend des risques dans le trafic dans ces conditions. Ça nous rappelle un peu la finale aux 24 heures du Mans. Hop là, lors de notre première carrière. Oh là 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 là.
où il y avait eu une averse qui nous avait causé beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Là, celle-là, elle est plus ou moins maîtrisée. Va-t-elle durer l'ensemble de l'épreuve? Je n'en ai aucune idée. Alors attention, parce que devant, au niveau des écarts, c'est un peu serré. Ça va pas se jouer à grand chose. Par contre, je peux vous le dire tout de suite que pour le record du tour, là, on oublie. Dans des conditions pareilles, c'est infaisable. Fallait faire ça au petit matin. Ah, cette deuxième heure de course, vraiment rondement menée pour le moment. 55 minutes, il reste 48 litres de carburant. On va voir comment l'eau va stagner sur le circuit. J'aimerais bien ne faire plus qu'un seul arrêt, peut-être celui pour passer en pneu slick et aller au bout. Pour l'instant, je suis sur la stratégie où je remonte un train de pneus pluie. Mais si les conditions restent comme cela, on va bientôt devoir remonter des pneus slick parce que le soleil perce. Oh là là, le gros sous-virage dans le speaker's corner. Alors, on est tous en difficulté, hein. Là c'est clair. Tension maximale, oh là là, je sous-vire. C'est terrible, le sous-virage de cette voiture dans des conditions pareilles est très 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 imprévisible. Des fois ça passe, des fois non. Obligé de tomber parfois un rapport supplémentaire pour réussir à faire braquer la machine japonaise. Allez. Hop. Et tout cela avant la finale aux 24 heures du Mans, bien sûr. Ça sera aussi d'autres sensations. Une P1 au box, Leander Patzak qui s'arrête alors que le soleil fait son retour. Allez, une petite chute de neige, on aura eu toutes les saisons, c'est souvent comme ça à Spa. C'est ce qu'on dit, hein. Il y a souvent les 4 saisons en une journée à Spa. Mais là, il manque encore quelques chutes de neige et on sera bon. Et il faudra se méfier des flaques, hein, qui viennent un petit peu joncher le bord de piste un peu partout. Et le Rédillon qui se prenait à fond de 7 ne se prend plus qu'à fond de 6. Steve Wu à moins de 2 secondes. On est en train de prendre notre revanche pour l'instant. Ah, ce serait bien d'avoir des infos sur la météo par contre. Ça me serait vraiment utile parce que là, à part galérer avec mon train avant, il n'y a pas grand chose d'autre dont je dois être informé. Les conditions typiquement belges. Et pendant ce temps-là, eh bien, on refait un peu notre retard sur la voiture de Steve Wu. Kepen qui est à 26 secondes derrière. Le
Oh! Oh! L'attaque à la source, je pensais qu'il m'avait vu. Peut-être un peu présomptueux de ma part, mais peu importe. Alors, faut vraiment faire gaffe parce qu'au pied du raidillon, à l'eau rouge, il y a vraiment. Mais il y a vraiment une flaque, mais terrible! Terrible! Et j'ai peur que si elle commence à prendre de l'ampleur, on puisse se faire piéger à cet endroit-là. Et une sortie dans l'eau rouge, eh bien, c'est carton rouge, justement. Et on ne pourra peut-être pas ramener l'auto parce qu'il y a encore 6 km à faire. Alors, on remonte quand même dans notre malheur. On est derrière Devin Smith avec, je pense, la Marek, si je ne dis pas de bêtises. Dernwall est quand même troisième. Manuel Duer, deuxième avec la Toyota. On est en première dans Bruxelles. On est arrêté complet avec l'eau. Et en deuxième dans le Speaker's Corner. Eh ben, dites-moi. Allez, le virage du raccordement. Le virage Paul Frère. À côté de l'antenne chirurgicale. Le soleil qui arrive. Allez, peut-être pour nous sécher tout ça dans les 50 dernières minutes de course. C'est pas improbable qu'on ait une piste sèche au moment du drapeau à damier, hein. C'est pas impossible non plus qu'on continue de remonter avec la Marek devant nous. Là pour l'instant on n'est pas on fire, mais pas loin, on tourne bien, hein. Ça c'est clair et net. Je suis content des freins de la voiture, je suis content de la tenue de la voiture. C'est juste, voilà, regardez cette flaque. On passe pied dedans de peur de se faire piéger d'aquaplaning le plus vite possible et prier que ça passe. Alors regardez, on prend de l'avance sur Steve Wu. Devin Smith qui tient le pied de podium pour l'instant devant nous. Et Steve Bernwall qui est pas si loin que ça non plus. Allez, on peut repasser au combat en troisième. La voiture reprend un peu de grippe. Faudra-t-il réussir à doubler. Regardez, au niveau du tour précédent, on est quand même beaucoup plus rapide. Il n'y avait pas le dépassement de la Toy, mais quand même. Là, j'aimerais bien avoir quelques retardataires qui se dressent sur mon chemin pour m'aider. Hop là, attention de ne pas réaccélérer sur le vibreur pour partir en tête à queue totale. On avait eu la blague à Silverstone. Course où il y avait également eu de la pluie. Très très belle course à Silverstone de nuit. J'ai vraiment apprécié. Et ici, c'est aussi une très belle course pour l'instant. On n'est pas en tête, mais ça n'est pas grave. Alors, une BMW dans Blanchimont. On voit rien du tout. Passe à l'extérieur sur la M6. Hop là. Allez, avance, il s'arrête. Il s'est arrêté. Mais pourquoi il s'est arrêté? La Marek qui a complètement stoppé. Ah ouais, il va revenir. Bah oui, il me touche. Oh, ça va, pas de dégâts à l'arrière. J'ai tout fait pour ne pas qu'il me touche en restant sur la droite et finalement il est quand même parvenu à venir au contact. C'est dommage, tout essayé pour faire de beaux dépassements et parfois c'est vrai que les autres ne sont pas très conciliants. Devant, beaucoup de fumée, enfin beaucoup d'eau, plus que de fumée d'ailleurs. Alors Steve Bernwald, 8 secondes. Bon,
Pas vous mentir que si Kay Payne est dans la difficulté actuellement suite à son arrêt très très tôt dans la course, nous, on est en proie de peut-être aller chercher un podium. Et sachant la bagarre qui nous attend au Mans, je ne cracherai pas dessus. Oh là 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 là! Piégé par la BMW. Ah, décidément, elles m'auront causé beaucoup de soucis. La Marek derrière. Oh là 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 là, attention, on est obligé de prendre très très large dans le double gauche. Oh, la BM qui se remet devant nous. Et on prend des dégâts à l'avant. On ne voit rien du tout. Où est-ce qu'elle est cette BMW? Allez, va-t'en s'il te plaît. C'est clear. Où est la Marek? Oh, elle a dû freiner. Oh, quel dommage. Quel dommage, la BMW. Dans les sprays qui nous est revenu dessus. Ah, quand je vous dis qu'elles sont compliquées à dépasser, les bavaroises, c'est les pires de toutes les GTE. On n'arrive pas à les, comment, à les deviner en fait dans leur comportement. Autant les Ford, les Ferrari, c'est assez distinct, mais l'Aston Martin et la BMW, ce sont deux voitures très compliquées à mettre en confiance. Et là on a pris des dégâts sur l'avant, 3 points de dégâts sur l'avant de la voiture. Tiens, quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est dommage parce que la belle M6 GTE là fait bien le taf. Alors que là on avait une P2 qui était encore en difficulté. Les P2 qui souffrent beaucoup, hein, j'ai l'impression. Attends, c'est compliqué. Ah, et Steve Bernwall. Bernwall au box. Bernwall au box. On est troisième. Ah, c'est intéressant. Peut-être ont-ils simplement chaussé des gommes et pas de carburant tout à l'heure. Bon, on a encore de quoi voir venir. On a encore 30 litres dans la voiture. 36 tours couverts ici à Spa. Il reste encore 45 minutes. On est loin d'avoir le verdict de cette épreuve. Et la pluie qui est toujours là, peut-être un peu moins intense, mais... On va d'ailleurs baisser un petit peu notre essuie-glace, tant qu'il n'y a pas de retardataire. Alors que devant, la deuxième place, c'est Manuel Deheur, qui est à 5 secondes devant. Et peut-être que Bernwall est rentré au box également suite à un contact. Ils étaient en bagarre aussi avec des retardataires. Regardez l'intensité de la pluie qui a bien baissé. On est avec la première vitesse des essuie-glaces et on voit parfaitement clair maintenant. La piste est en train, je ne dirais pas de sécher, mais de stagner. Ça se stabilise un petit peu. Attention dehors, 4 secondes. Il y a une Ford. Il y a une Ford devant, c'est celle de Christopher Lord. Elle s'écarte, mais faut le dire très très vite quand même. Et regardez, il ne pleut quasiment plus. Il va commencer à faire bientôt un peu plus sec sur la piste spadoise. Alors que Darrell King est très très loin, Manuel Deheur, lui, est parfaitement à portée de tir. La BMW qui s'écarte, heureusement, on ne la verra plus sur notre chemin pour l'instant. Et peut-être que la deuxième place est encore envisageable. La victoire, ça va être compliqué pour l'Audi d'aller la rechercher. Mais dans ces conditions mixtes, peut-être un mot à dire pour nous. On a eu beaucoup de chance qu'on se prenne un tampon au moment de rentrer au box. On aurait pu rentrer un tour plus tard avec la pluie, c'est vrai, mais après tout, quand je vois où on en est maintenant, il fallait bien passer par là. Ici, grosse frayeur, hein, tout à l'heure
dans ce Speaker's Corner. Alors Manuel Duhr avec la troisième véritable Toyota engagée. Oh là là, attention, on est allé fortement sur ce vibreur. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de pluie. Peut-être il se remet à pleuvoir dans certains secteurs. En tout cas, il n'a pas cessé. Ouais, regardez, Manuel Duhr qui est aussi à la dérive. Hein. Edouard McLean devant avec l'une des Aston Martin. On ne voit rien avec les sprays. On a juste vu l'Aston Martin freiner. Et une fois de plus, arrêté par la Toyota dans la chicane. Alors on voit pas grand chose. Est-ce qu'on va prendre la deuxième place? C'est pas impossible. Hop, il va croiser. Hop, il nous touche un petit peu. Pas de dégâts, heureusement, ni pour lui ni pour nous. Oh là 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 là, gros moment de frayeur avec la Toyota, mais on prend la deuxième place et toujours beaucoup de temps perdu hein, pour les P1 du côté du bus stop. En tout cas, la situation est désormais la suivante. Darrell King avec l'Audi est en tête devant nous et Manuel Duhr. Devin Smith est quatrième. Et là on arrive sur pas mal de retardataires qui ont déjà dû être dépassés par Darrell King qui pour l'instant avec l'Audi fait parfaitement le taf. On a pu dépasser l'une des Aston. Il y a une Ferrari devant nous de l'équipe AF Corse qui continue son bonhomme de chemin. Mais il va falloir nous laisser passer. J'ai remis un petit peu de vitesse dans les essuie-glaces. C'est folklore comme on dit. Et toujours un troisième secteur très humide par rapport au reste de la piste. Il reste 20 litres. Et Darrell King au box. Et ça c'est important. Ah ben on va prendre notre temps, vous savez quoi? Pour aller doubler. Là il y a une flaque à gauche, à fond on la prend. On va sans doute retrouver de Toyota en tête. Ah, effectivement, on prend le commandement des opérations. Tiens, toujours aux choses pires avec les GTE. On va aller chercher la P2 avant le Rédillon. Oh là 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 là. Très chaud le Rédillon là. Avec la P2 en tout cas, on est en tête. Non, reviens. Donc Darrell King au box, il vient de sortir maintenant. Ça nous met donc en tête avec Manuel Duhr. Donc finalement, la sous-consommation des Toyota par rapport aux Audi, malgré la chute d'eau que l'on subit depuis le petit matin, eh bien, fait qu'on est quand même devant. Il reste 37 minutes. Je vous avoue qu'avec les 17 litres, il ne reste plus beaucoup de tours. On va rester sur une stratégie où il faut remettre peut-être du carburant et non pas des pneus. Ce sera peut-être plus intéressant. Hop là. C'est pas le bon menu. Fallait bien que ça m'arrive, on va le laisser se fermer. On reprendra ça dans une ligne droite, il y a moins de risques.
Et pas question d'aller se mettre dedans maintenant qu'on est devant. Rendez-vous compte, il y a 30 minutes. On s'est quitté sur la première partie hier avec la 4, 5, 6e place. On était largué face aux Audi et là, eh bien, on mène la danse. Comme quoi, rendez-vous compte, rien n'est jamais perdu. Alors, voilà, sélectionner une stratégie et on va simplement mettre par défaut, c'est-à-dire remettre du carburant mais ne pas changer les pneus. Voilà sur quoi on est basé pour le moment. On reste équipé de ces gommes pluie. Oh là 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 là. Et ben voilà, fallait bien que ça arrive. Bon, c'est la deuxième fois en 2 heures, je pense que ça va. Les Audi l'ont fait IRL, les Toyota l'ont fait IRL. J'ai pas gagné grand chose, hein. Faut pas se le cacher. Hop là. J'ai gagné à être prudent, c'est tout. Allez, l'intensité de la pluie donc qui redouble par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Petite accalmie en milieu d'épreuve. Donc on reste sur une piste humide. Pas d'annonce non plus du côté de la radio concernant un éventuel changement au niveau des conditions météo. Donc pour l'instant, on reste avec deux Toyota devant. Devin Smith. Et derrière, avec une autre des Toyota. Steve Roux. Et derrière, Manuel Duer a donc toujours la deuxième place. Et Darrell King et Bernwall, les deux Audi, sont 5e et 6e de cette épreuve pour le moment. Je l'entends bien pour le moment. Alors, avec 14 litres de carburant dans la voiture, on va bientôt pouvoir rentrer et faire réparer les dégâts. Ça pourrait être un splash and dash hein, s'il continue à pleuvoir. Hop là! Et là, la pluie est vraiment, vraiment redevenue intense. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, mais là... Et on va essayer de les passer dans Blanchimont. Allez, ça s'écarte plus ou moins, pardon d'avoir crié. Je reste toujours prudent sur Blanchimont. C'est jamais comment ils vont réagir. Jamais assez prudent. Voilà, là au moins on est fixé. Ok, 5 secondes sur la voiture qui suit. Moi j'en vois 2,3. Mais c'est pas grave. Ça y est, ça remonte à 5. Allez, 11 litres, faut pas oublier le carburant hein, parce que faut pas se faire avoir. Parce qu'on est maintenant à une consommation moyenne de moins de 4 litres. Allez, on va bientôt atteindre le dernier quart de l'épreuve. Il va rester 30 minutes. On aura quasiment fait un relais complet hein, du côté. Hop là. Du côté de cette épreuve de Spa, 2 heures de suite. Vous avez eu la coupure, mais pas moi.
reste encore en 6ème. On n'est pas encore à passer la 7ème dans Blanchimont. Hop là. Alors là par contre on est en plein dans la flaque si on freine trop tard. Celle-là vaut mieux l'éviter. Et les plus intenses qu'au tour précédent. Il reste 8 litres. De carburant, on va donc rentrer, comme ça s'il y a un souci, on pourra toujours faire un tour supplémentaire. Et avec ces 30 minutes de course restantes, on pourra faire un splash and dash sans aucun souci. On remettra simplement le niveau de carburant et si vraiment dans la fin de la course il persiste un moment où il fera beaucoup plus sec, eh bien on repassera sur des gomme slick. J'ai pas prévu d'arrêt où il n'y a pas de relais de carburant et simplement des pneus, donc on fera un plein. C'est pas grave. Pour l'instant on est en tête pour 10 secondes devant Manuel Duhaere. Enfin, au moment où j'ai regardé ces 10 secondes, maintenant j'en vois plus que 8. Donc ça aussi un petit peu entre 8 et 10 secondes on va dire. Ça fait un bout de temps qu'on n'a plus de retardataire. Non pas que je m'en plaigne, mais c'est plutôt calme. Ça m'embête vraiment de rentrer au box maintenant, étant donné la situation. Piste dégagée, c'est vraiment idéal. Il y a un retardataire qui est d'ailleurs au box. Allez, on rentre, on plonge, on se tient à notre plan de marche. On ne tape rien. Évidemment, Manuel Duhaere va reprendre la tête de l'épreuve. C'est tout à fait logique. Voilà, allez, pas de pneumatique donc, du carburant et réparer les dégâts bien sûr. Et petit ravitaillement également pour le pilote, hein. Bien, un petit peu user la gourde. Allez, on prend le temps d'un plein, c'est 25 secondes, hein. Un arrêt au stand avec le plein. Allez, c'est reparti. Et on est retombé au 6ème rang. Et attention parce que K-Pain va nous passer sous le nez. Ah, K-Pain qui va repasser devant nous. Ça va être une belle bagarre. Allez, on est juste derrière notre adversaire au classement général. Là, on joue le titre, évidemment. Je vous le rappelle. Avec le garçon devant. Réussir à trouver l'ouverture, il va passer la P2. Oh, il l'emmène. De là à dire qu'il a voulu me la renvoyer sur le casque, je ne voudrais pas aller jusque là, j'ai préféré prendre bien l'extérieur. Voilà, elle est bien derrière. On rappelle qu'on a les dégâts activés, hein, donc on peut couler une bielle, hein, sans problème. J'ai pas trop envie de ça.
sans doute d'autres vont devoir encore stopper. Allez, 26 minutes de course, on a assez dans la voiture pour aller au bout. Oh, grosse frayeur sur le vibreur. Ouais, ça glisse énormément, hein. Je voulais vérifier, voilà, que j'avais bien la vitesse la plus intense en essuie-glace. K-Pain devant nous qui tombe plus vite. K-Pain qui tourne plus vite et qui est là par contre bloqué par une Ferrari. Et c'est une Ford, ben tiens. Comme quoi. On peut se tromper. J'avais vu du rouge. Allez, on est face à O'Brien. Allez, oh là là, elle soupire. Allez, c'est pas mal maintenant qu'il faut flancher. On est dans un moment important de cette épreuve. On se bat depuis plus d'une heure et demie. Et on sait qu'on est bon ici en haut du Redi. On sait là qu'on doit faire la différence sur la relance par rapport à la voiture de K-Pain. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait à l'aspiration peut-être pour aller chercher quelque chose au freinage des combes. On est très proche. Va-t-on se porter à sa hauteur? On freine tard. Et on passe. On prend la position de K-Pain. On est donc sixième. Maintenant, le plus dur encore, c'est de la garder. Avec la BMW devant, ça glisse. On choisit l'extérieur pour essayer de dépasser. Voilà. Oh là là, le sous-virage encore une fois. Oh, oh. Ah, il va s'en passer des choses. Oh, il revient. Ok, Pain, comment il a fait pour avoir une telle relance avec le retardataire? Il m'a déposé complètement. Non. Oh, saleté de bio sur les vibreurs. Il faudrait faire un clip et un best-of de tous mes cris parce que pour en faire une musique, là je la perds. Alors là je peux vous dire que la piste est plus du tout celle de tout à l'heure. Il y a beaucoup plus d'eau. Je crois qu'elle a jamais été aussi détrempée depuis la chute de la pluie. Steve Huobox. Oh, et K-Pain qui plonge. Et c'est là notre chance, évidemment. Regardez, il y a 3 protos au box. Et on reprend la 3e position. Oh là 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 là, eh bien, ça va être très intense pour ces 20 dernières minutes. J'ai manqué de la perdre 3 fois dans le tour précédent. Au speakers, au double gauche et au raccordement. Oh là là. Steve Bermol qui est deuxième, Daryl King en tête, évidemment les Audi sont devant. Alors Manuel Deheur là, ouais, et ben on a 2 Toyota derrière nous. Oh là là. Je fais des choses qui ne font pas plaisir à mon fond plat, mais regardez la météo, il n'y a même plus le soleil qu'il y avait tout à l'heure, la piste est froide et c'est ça la grosse différence. Avec tout à l'heure, c'est qu'il pleuvait, mais il y avait quand même des percées de soleil, ce qui gardait la piste un temps soit peu chaude. Maintenant, on est dans des conditions où véritablement la pluie est la météo principale de cette piste de Spa-Francorchamps. Atypical Spa weather, comme diraient certains. Oh là là, on sent la fébrilité jusque dans les coups de pédale. Oh là 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 là. Allez, si on peut ramener un podium face à K-Pain, on a déjà 8 points d'avance sur notre adversaire. Tout se jouerait pendant les 24 heures du Mans. Allez, c'est 2 heures de Spa imposées par le jeu, je le rappelle. Mais c'est pas possible. Oh la vache. Comment je le prends ce virage si je peux pas mettre la moitié de la voiture sur la partie centrale? Va falloir être très prudent. On fait quand même 3 secondes de mieux que le tour précédent. Rendez-vous compte. Pour le Delta. Est-ce qu'il y a un arrêt au box devant de la part des P1? Je
pas sûr du tout. Je ne suis pas sûr du tout. Il y a une grosse flaque à la chicane au Raidillon. Heureusement que celle du Raidillon est gérable. D'ailleurs, le Raidillon, c'est là où se trouvent les voitures de Darrell King et de Steve Berwald. C'est vrai que les BMW sont vraiment les moins conciliantes depuis le début de l'épreuve. Allez, 20 minutes, le décompte a commencé dans la radio. A pas vu. C'est pas possible. Et là on peut pas passer sur la droite du circuit parce qu'il y a trop d'eau. Il y a la flaque hein, au raccordement. Ça fait un demi-tour qu'on est bloqué. Mais pourquoi? Bon sang de bonsoir, c'est pas compliqué. On est arrêté avec les P1 parce que les pneus sont tellement larges que dès qu'on prend une flaque d'eau, on est obligé de rouler à 20 à l'heure pour pas se faire piéger. Et les P2 nous rentrent dedans parce qu'elles ont plus d'accélération. Allez, on double la M6. Et on va perdre la tête. Manuel Dehors va prendre la tête. Là, il pleut vraiment, vraiment beaucoup. Et Dehors qui est là. Et une fois de plus, les conditions qui ne correspondent plus du tout aux températures nécessaires pour faire fonctionner la voiture, comme pendant cette nuit. Constamment sur des œufs. Alors premièrement, on ne voit pas grand chose. Deuxièmement, il y a beaucoup plus d'eau. Et ensuite, on n'a plus du tout une fenêtre de fonctionnement pour les pneus. J'ai l'impression que les pneus sont morts. La pression dans les pneus qui est énormissime, on est à 2 bar 8. C'est plus pilotable, on dirait qu'on a des pneus slick. Beaucoup trop de pression dans les gommes. Aurait-il fallu les changer à l'arrêt? Possible. Et on va être prudent. Mais là, le Raidillon m'a fait un joli, joli coup de frayeur. Et il reste 16 minutes, rappelez-vous, les 24 heures du Mans l'an dernier. Oh là là, on avait tout perdu dans les derniers kilomètres.
c'était il y a 2 ans, pardon, c'était pas l'an dernier. Et ça rentre pour des retardataires. De Heure qui va sans doute aller la gagner. On peut pas aller plus vite que lui. On va devoir être très prudent dans toutes les courbes rapides parce que la voiture ne tient plus le parquet, tout simplement. On va devoir la jouer très très fine. Je le passe en 7ème, c'est terrible. Alors la fin a quand même perdu 13-14 secondes. Hein. Donc faut vraiment faire gaffe. Ouais, une arrivée sur le sec qui disait, tu penses. C'est carrément l'apocalypse ici. Il n'y a plus aucun passage de puissance au sol qui est tenable. C'est comme ça pour toutes les P1, je pense. Hein. Ce qu'on voit que devant. Dehors, ne gagne pas forcément du temps, bien au contraire. Alors ce soir, j'ai eu, avant de tourner cet épisode, un abonné qui est venu me poser une question sur Twitter. Il me dit, après la nuit des abonnés, il me disait, tiens, est-ce que la pluie a été améliorée dans Pécard ? Je dis, oui, ça a été bien amélioré. Et regardez ce à quoi on est en train de vivre. Ici, et c'est vraiment excellent, c'est-à-dire que là, avec toute la pluie qu'il y a, c'est plus pilotable, tout simplement. Alors on a vu le retour au box d'une des Audi. C'est Bernwald. Quasiment en condition de drapeau rouge. Hein. Je peux vous dire que là, IRL, c'est drapeau rouge net. Avec 13 minutes. On est P4. Moi... Dans l'absolu, ça me va. Fondamentalement, c'est être devant K-Pain qui m'importe. Le reste, les autres sont tellement loin. Mais je constate que c'est très très délicat, mais c'est pilotable. Et c'est ça qui est agréable. C'est qu'à moins de faire une bêtise ou d'être un peu trop... relâché, putain, on sent même la voiture qui perd l'arrière quand il pleut. Ça, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est très bien fait. Et on va se faire doubler pour la 4ème place par Steve Hou. Steve Hou qui est rentré. Et qui a sans doute mis des pneus plus frais que nous. Oh, attention, parce qu'on a quand même la Devin Smith qui revient aussi. Alors, est-ce qu'on n'a pas un problème sur la voiture? Oh là là, il va rester 11 minutes. Et pourquoi on est arrêté avec les pneus? On n'a plus de température, 80 degrés dans les disques.
plus de grippe du tout. Plus de grippe du tout. La voiture est trop froide. Une fois que t'as perdu la confiance, c'est fini. Hein. Ça, c'est terrible. L'air d'avoir moins d'eau. Tombe, mais c'est très subjectif, évidemment. Je comprends pas pourquoi je suis arrêté. Hormis la situation de la température de la voiture, mais... Je vois que derrière Kepen est dans la même difficulté que moi. Un semblant de grippe. Je suis pas encore complètement sûr pour un rayon à fond, mais ça passe mieux, hein, on le voit. Ouais, bah évidemment, Kepen va nous repasser devant. Et une fois de plus, comme d'habitude dans Project Cars, à 500 mètres de l'arrivée, bah tu perds tout. C'est vraiment le gros problème de calcul dans cette... Dans cette carrière, t'échoues à 5 mètres du buffet pendant toute la saison. Alors que là, on a une Aston qui a plus d'aileron arrière, je crois. Ouais, ça doit être ça. Et Darrell King au box. Darrell King arrêté au box. Et là, il pleut moins. Là, il pleut moins. J'aurai un compteur de nomatopée pendant cette course. Je battrai Tex à plate couture. Oh, c'est sorti! Non! Mais c'est pas possible! Mais quel manque de chance incroyable! Mais comment a-t-il pu relancer sa voiture de la sorte? Et on a des dégâts maintenant sur le train avant! Mais quelle poisse! Mais quelle poisse incroyable! Mais quelle malchance! C'est pas possible, mais c'est pas possible! Oh là là! C'est incroyable! Mais quel manque de chance incroyable dans cette carrière quand même! Ouais, la voiture est pliée. Je suis dépité au plus haut point. Encore une fois, avoir tout dans les doigts. C'est... J'ai pas de mots.
J'ai juste pas de mots. Et on est donc 7e et dernier de la catégorie devant Patzak. C'est dur, c'est très très dur à avaler. C'est très très dur à avaler parce que pendant toute la course on était bien. Et à la fin, bah, juste parce qu'il fait un peu trop froid. Et l'autre qui part en tête à queue et qui revient. Mais il a réaccéléré du gravier comme si de rien n'était. Moi je me dis, il est planté le temps qu'il revienne. Je passe à droite 1000 fois. Tu penses? Oh là là! Il y a clairement un problème dans la voiture. Hein. La direction est pliée. 5 minutes, 33 litres. Oh là là! Il se replante, hein. Il va me la refaire, hein. Sans déconner. Désolé, hein, mais là, franchement. Dans notre malheur, on risque sans doute. Allez, non, hein, il va passer, il va plonger. Hein. Mais putain, mais il se met en tête à queue. Mais il se met en tête à queue à côté de moi. Ah là là. Ah, c'est quand même formidable. Allez, 4 minutes. Comment tu veux tenir un RP avec une IA pareille? Allez. Il va rester 4 minutes, donc 2 tours. On a largement ce qu'il faut dans le réservoir. C'est à tour la voiture pour aller au bout. 15 secondes pour K-Pain. Hop, K-Pain qui perd beaucoup de temps là, regardez. En bas à gauche. Il ne faut pas avoir ça et dans 5 secondes il peut repasser à. Il peut repasser à 20 secondes. Hein. Ah, K-Pain qui perd vraiment beaucoup de temps. Allez, ça remonte. On va avoir deux derniers tours quasi normaux. Parce que le soleil revient. 3 minutes. Alors une fois de plus, c'est 3 minutes, mais par rapport au leader. Donc je sais pas où il est dans son tour. Je ne sais même plus prendre le double gauche avec ma. C'est dramatique quand même, hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Me dites pas que c'est pas de la malchance, c'est de l'acharnement, il y a un problème quelque part. Quoi. Bah oui, box 10 lap, tu te rends compte, je vais pas faire 3 tours comme ça. Donc je vais être dernier. Donc je vais prendre le minimum de points dans la catégorie. À 2 minutes de la fin. C'est exactement le même scénario qu'au Mans l'année dernière. T'as tout dans les mains et le jeu te dit « Ah mais au fait, non, tu ne gagneras pas !» C'est n'importe quoi. Ah, c'est... C'est même pas cruel parce que c'est injuste. C'est tellement cruel et injuste. Oh bon sang. Tellement injuste. Ils remettent même pas de carburant tellement il y a assez quoi. C'est...
Ah là là, eh bien, il est bien triste, ce Project Cars 2. Secondes de réparation. Oh. Attends, 50. Alors qu'il fait nuit sur Spa-Francorchamps. On va faire ça parce qu'il y a peut-être de l'eau à la sortie et on va faire notre tour d'honneur. Mais ils sont allumés là les phares. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fous? Dans mon malheur, KP ne fait pas non plus vainqueur. Donc il va reprendre des points. Faudra faire le calcul, évidemment, à l'issue de cette épreuve. Mais il fait noir, on ne voit rien. Je vais aller dans le gravier. Je vais me prendre un tour dans la vue par le troisième. C'est fort quand même, hein. Et là, je repasse le... Ouais, c'était vraiment des problèmes dus aux dégâts, je crois, sur le train avant qui déséquilibrait totalement la voiture. Bon, allez, on est à 0-0, la fin de cette course de Spa-Francorchamps, mais beaucoup de regrets. Alors, au classement général, ça fait 2 victoires partout, toujours avec K-Pain. Mais regardez, on est désormais à 118 points et K-Pain à 121 points. Ça nous permet donc d'espérer une finale au Mans très, très disputée. Et Darrell King revient aussi. Donc, avec les points de la victoire, nous pouvons tous les trois encore être champions du monde WEC. Mais pour ça, eh bien, il faudra attendre la dernière manche qui aura lieu aux 24 heures du Mans. La sixième, donc championnat plus que serré. Ça a été très injuste, je trouve, de la part du jeu de me punir de la sorte. Alors je sais que c'est en partie dû à moi, je suis bien tout à fait conscient, mais l'IA, la gestion des retardataires et tout était assez bonne, je trouve, de ma part. J'ai pas trop de choses à me reprocher, je crois que j'ai fait vraiment une course prudente. Après, effectivement, la stratégie a été décalée par l'arrivée de la pluie, donc on s'est tous retrouvés finalement au même moment où je pouvais avoir peut-être un avantage, notamment par rapport aux Audi qui auraient terminé derrière. Et puis le contact, effectivement, où je sais pas comment la voiture physiquement, dans la physique du jeu, parvient à sortir du gravier comme si elle glissait sur du tarmac et retraversait la piste. 2 tours de suite en plus. Donc c'est vraiment un manque de chance avant tout. Il restera donc les 24 heures du Mans. Ce sera une course extrêmement longue. Alors je vois départ à 5h du matin. J'espère que c'est pas 5 heures de durée. Non, ce sera 2 heures également. Bah écoutez, voilà, on finira ces 24 heures du Mans sur une durée de
de 2 heures également. On va changer un peu les setups des voitures, évidemment, pour éviter cette perte de température par rapport à ce qu'on avait à Spa. Je suis plutôt content globalement du setup. Malgré le manque de vitesse, on a réussi à se défendre, soit face aux Audi, soit face aux autres Toyota. En tout cas, le championnat est plus que serré. Désolé si en fin de course j'étais très frustré, mais après 2 heures de relais, vous avez eu de la course sur 2 épreuves, sur 2 vidéos, mais après 2 heures de relais, c'est quand même très très frustrant d'en arriver au point où on ne peut que terminer dernier sans avoir d'armes pour se battre. Donc en tout cas, une course qui a été très intense, très variée. On a appris de nos erreurs, je pense, pour la prochaine course, et on finira cette carrière avec les 2 derniers épisodes qui auront donc lieu au circuit des 24 heures du Mans. Rendez-vous d'ici là, donc dans la Sarthe. Rendez-vous également dans les commentaires si vous souhaitez réagir. Bon amusement en piste, les amis, et à la prochaine. Ciao.